Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh les gars, 1000 abonnés, c'est juste un truc de malade, un chiffre vraiment immense pour moi, pour ma chaîne. J'ai commencé les vidéos en août, juillet-août, voilà, on est en octobre, j'ai déjà 1000 abonnés, c'est vraiment immense. Franchement les gars, je sais pas comment vous remercier, vraiment c'est juste immense. Donc je sais pas si je vais faire une vidéo spéciale ou pas pour les 1000 abonnés. C'est pas celle-là la vidéo, s'il y a une vidéo spéciale ou pas. Peut-être un concours, j'y ai pas encore vraiment réfléchi. J'ai été un petit peu pris de court, je dois vous avouer que du 700e au 1000e abonné, c'est vraiment allé très vite en moins d'un mois. Donc j'étais un petit peu pris par le temps. Et donc aujourd'hui on se retrouve. Je vous remercie encore une fois, hein. Je me répète, mais franchement, d'ailleurs, vous rendez même pas compte comment c'est vraiment un truc de malade pour moi et pour ma chaîne. Donc voilà, parenthèse faite, on se retrouve pour le deuxième épisode des Dream Team. Cette fois-ci, un épisode bien plus long, dans le sens où le premier épisode, je vous avais vraiment juste proposé le concept, vous me proposiez une équipe. Pas de joueurs ou quoi, mais une équipe colombienne. C'est la vidéo d'aujourd'hui, une équipe colombienne, mais une équipe par exemple Argentine, une équipe Ligue 1, Ligue 2. Et moi je choisissais selon mes préférences et les joueurs que je trouvais le meilleur ou le mieux adapté selon la formation. Je choisissais quel joueur mettre. Et aujourd'hui donc c'est une équipe 100% colombienne qui a été choisie dans les commentaires de ma dernière vidéo. D'ailleurs le concept vous a vraiment plu, j'ai l'impression, avec pas mal de likes, pas mal de commentaires. Et donc le commentaire qui a eu le plus de pouces verts, pardon, c'est Sniper MPL ou MPL je crois, je suis pas sûr, je crois que c'est ça, qui avait donc proposé une équipe colombienne. Donc bah dès que j'ai vu que ce commentaire a eu le plus de pouces verts, bah, j'ai décidé de me créer une petite équipe colombienne. Donc on va tout de suite commencer les petites présentations. C'est vrai que j'ai trouvé vraiment le commentaire bien, tout simplement parce que des équipes colombiennes on n'en voit pas, on n'en voit pas du tout. Sur FIFA 12 je sais pas si on en voyait beaucoup, je crois pas. Sur FIFA 13 bah, c'est le début donc non plus. Donc bah, ça fait plaisir de changer un petit peu des Serie A, des Barclay ou des Ligue 1. Donc on va commencer tout de suite avec l'entraîneur. J'ai pas spécialement pris un... J'ai pris un Mexicain, je dois vous avouer, en or. Juste pour me faire un bon collectif. Donc c'est une formation qui est en 4-4-2. En 4-4-2, donc avec deux défenseurs centraux. Un défenseur gauche et un défenseur droit. Deux milieux centraux aussi. Un milieu gauche et un milieu droit. Et deux buteurs. Donc la spécialité de cette équipe, je vais pas vous mentir, hein, c'est tout simplement sa vitesse. C'est une équipe et immense, sincèrement, en vitesse. C'est l'équipe pour moi la plus rapide que j'ai vue sur le live. Je vous dis ça, mais franchement, c'est sérieux quoi. Donc on va tout de suite commencer avec le gardien, Ospina. Donc le gardien de Nice. Franchement, je suis pas convaincu par Ospina, mais pourquoi je l'ai mis dans l'équipe? Tout simplement parce qu'il y avait que ça. En Colombie, il y a que deux gardiens, il me semble. En or, en tout cas, il y en a qu'un. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il y en a qu'un, c'est Ospina. Donc le gardien de Nice, il a pas des stats trop mauvaises. Vous voyez qu'en réflexe, il a quand même 82. En plongeon, 81. 79 en jeu de main, ça reste correct. Même en position d'ailleurs. Mais c'est vrai que il fait pas des choses énormes. J'ai pas remarqué qu'il faisait des choses énormes sur le terrain. Après voilà, si vous voulez vous faire une équipe 100% colombienne, vous le prenez. Mais comme je vais le dévoiler au cours de la vidéo, vous pouvez très bien changer. Enfin, je vous le dirai au cours de la vidéo. En défenseur central, nous avons le Colombien Perea, que vous ne connaissez sûrement pas. Donc qui joue en Liga MX à Cruz Azul, je ne connais pas non plus. Donc ce qui me frappe évidemment, c'est sa vitesse. 82 de vitesse pour un défenseur central, c'est juste énorme. 82 de vitesse, 77 en défense et 79 en tête, vraiment vraiment complet quoi. Il est intraitable. Donc dans les phases de gameplay, je vais pas vous montrer les phases défensives. D'ailleurs c'est vraiment quelque chose qui me perturbe. Non mais si vous voulez, je sais pas si ça vous intéresserait de voir des phases défensives. Des performances que les défenseurs peuvent faire dans les Dream Team. Ça m'intéresserait de savoir votre avis si vous voulez juste voir des actions de but. Ou même les deux, les actions de but, les actions défensives. Donc voilà. Après, nouveau défenseur central, Yepes. Pourquoi Yepes? Parce que c'est l'un des seuls Colombiens
Défenseur central, donc il joue au Milan. Il a vraiment pas des stats énormes. Vitesse 40. Bon, je vous disais que la vitesse c'était la principale qualité de cette équipe. Évidemment, Yepes lui n'est pas très rapide, mais comme bon, non, l'équipe elle est pas encore faite, donc je vais pas vous le dire. Mais vous pouvez très bien mettre un autre Colombien, mais c'est un petit peu préparé. Voilà, Mosquera qui a quand même un peu moins de stats de défense et de tête, mais en vitesse c'est bien mieux. Après, je vous avoue que j'ai pas testé Mosquera, mais franchement, il est épaisse. Il paraît, vous dites au stats, non, franchement, c'est rien du tout, mais il est vraiment énorme, quoi. Moi, je stoppe énormément de joueurs, des gros, gros joueurs. L'autre fois, j'étais tombé contre un Benzema, il passait pas, il est épaisse, quoi. C'était juste énorme. Donc voilà. En défenseur gauche, Armero, que vous connaissez sûrement cette fois-ci, car il joue à l'Udinese. Et voilà, les gars, défenseur gauche, 88 de vitesse. Autant vous dire que là, les gars, si la balle elle est en profondeur, Armero il sera avant l'attaquant, quoi. À moins que ce soit vraiment un attaquant du genre Wellington ou je sais pas, mais un attaquant qui a vraiment 90 voire plus de vitesse. Et puis les stats de tête elle est mauvaise, par contre. La stat de tête elle est mauvaise. De défense ça reste potable, 76, mais c'est vraiment la vitesse qui fait un. Hein. J'ai pas envie de dire qu'il fait un petit peu tout le joueur, mais c'est vraiment. Immense quoi, ça passe pas sur le côté gauche. Alors en défenseur droit, je vais sortir un petit peu de cette équipe colombienne dans le sens où le seul Colombien qui existe en défenseur droit, c'est tout simplement un joueur argent qui coûte 3 000 et quelques et qui je trouve n'a pas de stats énormes. Alors j'irai peut-être vous dire ça après, aller voir quel joueur c'est en question. Mais franchement, il n'avait pas des stats énormes. Et là, vous voyez que Konko, Abdoulaye Konko, si je dis pas de bêtises, voilà, 86 de vitesse, pareil, c'est presque équivalent à Armero, mais voilà, c'est du solide quoi, c'est vraiment du solide. Konko, ça passe pas, c'est une muraille, et donc ça s'entend bien, et évidemment parce que Yepes joue aussi en Serie A à Milan et lui joue à la Lazio. Donc ça baissera pas votre note de collectif. C'est pour ça aussi que vous pouvez très bien mettre un Mexès que je trouve vraiment bon aussi dans ce FIFA 13. Il était très bon dans le 12, il a été baissé dans le 13, mais franchement je trouve que je l'ai payé combien? 900 les gars, 900 pour un Mexès, c'est rien du tout. Certes, il est pas très rapide. C'est un petit peu le défaut que j'ai avec lui, mais franchement, il est vraiment vraiment bon quoi. Donc on va retourner avec notre équipe colombienne. On va maintenant passer hein, au milieu de terrain. Je vais juste remettre Yepes. Donc voilà, vous pouvez très bien vous faire une défense Serie A quoi. Si vous pouvez très bien vous mettre un gardien de Serie A, un défenseur central. Bon, moi je le changerai pas parce que Perea il est juste énorme. Et Armero qui joue en Serie A est juste énorme aussi. Donc on va passer au milieu maintenant. Tout de suite, le premier milieu central de Colombie joue lui aussi en Serie A. Il joue plus précisément à l'Inter de Milan, c'est Freddy Guarín, que vous connaissez sûrement, on le rencontre pas mal sur le réseau tout simplement parce que vous voyez, hein, c'est un joueur très très complet. 75 en vitesse, 80 en tir, 80 en passe, 80 de dribble. Voilà, bah, stade de général 81, c'est tout à fait normal. C'est un joueur vraiment complet. Franchement, Freddy Guarín, c'est sans hésiter que vous le mettez dans votre team colombienne, quoi. Après, on va pas tout de suite passer au deuxième milieu central car j'ai un petit peu. C'est un petit peu le joueur qui m'a coûté le plus cher de cette équipe. Je vous montrerai après. Donc là, milieu gauche, vous avez Zuniga que vous connaissez aussi qui joue à Naples, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, il joue à Naples. Je l'ai payé que 1500, c'est rien du tout. Je suis sûr que vous pouvez le trouver à moins. Donc pareil que Armero, 88 de vitesse, 81 en dribble. Il a ses 4. Non, il a que ses 3 étoiles, pardon. Je croyais qu'il avait ses 4 étoiles. Non, il a que ses 3 étoiles. Mais voilà, 88 de vitesse sur le côté, je peux vous dire pardon que vous l'envoyez la balle en profondeur, ça passe même débordé sur le côté, je vous verrai dans les phases de gameplay, ça passe vraiment super bien quoi. Ensuite, en milieu droit, Cuadrado, qui joue aussi en Serie A. En fait, c'est vraiment la ligue des Colombiens, quoi. La Serie A, Guarín, Cuadrado, comment il s'appelle, Armero, Zuniga, ils jouent tous en Serie A. Bah, Yepes aussi d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment leur ligue quoi. Et donc Cuadrado, c'est encore plus rapide que les autres, 90 de vitesse, 85 en dribble. Il a ses 4 étoiles Cuadrado. Et vous allez voir dans les séquences, pourquoi je quitte, dans les séquences offensives de gameplay que je vous ai préparé, il est lourd quoi.
Donc on va maintenant passer à mon milieu central colombien. Attendez, je vais juste. Voilà, on va aller en Colombie. Alors, il s'intitule, ou plutôt il se prénomme. Nationalité Colombie. Ah pardon, il n'est pas MC. Donc le petit truc c'est qu'il n'est pas MC, il est milieu offensif central, mais il n'y en avait pas dans d'autres postes. Rodriguez boosté, donc il joue à Porto. D'ailleurs, il a marqué hein, contre le Paris Saint-Germain récemment en Ligue des Champions. Je pense que vous l'avez pas. Vous étiez au courant. Il a de grosses stats. Je l'ai payé 20 000, 22 250 exactement. Vous voyez qu'il a 81 de vitesse, 82 de tir, 85 en passe, 86 en dribble, 4 étoiles, normal. Mais franchement, je dois vous avouer que c'est le joueur qui m'a le plus déçu dans cette team colombienne. Mais franchement, en deuxième milieu central en Colombie, il n'y a rien du tout. Il y a peut-être un joueur argent que je ne saurais plus vous dire. Il a 4 ou 5 étoiles. Il coûte 30 000. Donc c'est pas donné non plus. J'aurais peut-être pu me l'acheter. Mais j'ai vraiment pensé que Rodriguez aurait fait l'affaire. Sincèrement, Rodriguez, c'est vraiment juste pour les passes qu'il est bon. Sinon, le reste, je le trouve pas énorme. Après, c'est vrai que je l'ai placé milieu central. Il est milieu offensif. Peut-être que ça joue, mais je le trouve pas énorme du tout. Sincèrement, je vous le conseille pas trop. Voilà, c'est le seul joueur que je vous conseille pas pour l'instant, c'est Tim. Mais je l'avais acheté, j'avais envie de vous le montrer. Vous montrer si le boosté valait le coup ou pas. Et franchement, je vous dis, si vous voulez faire une team colombienne, attendez quoi. Attendez et achetez peut-être un autre joueur que lui. Donc, on passe maintenant à l'attaque. Muriel, les amis. Muriel, c'est le joueur de cette team colombienne. C'est le joueur, franchement. 91 de vitesse, 76 en tir. Vous pouvez lui rajouter 10 ou 12 hein, sur la carte, les gars. C'est juste immense. Vous allez voir dans les phases de gameplay. 87 en dribble. Il a ses 4 étoiles. Il a ses 4 étoiles aussi en mauvais pied. Oh là là, mais j'ai mis. Bah attendez, je vais vous dire. Voilà, 66 buts marqués pour 50 matchs. Voilà quoi. Et vous allez voir que dans les phases de gameplay, c'est quasiment que lui qui marque. Hein, avec bien évidemment le buteur de Porto, Rodriguez. Rodriguez. Non, non, Martinez, pardon. Jackson Martinez, qu'on a beaucoup entendu parler sur FIFA 12 notamment. Jackson Martinez aussi, qui est très complet. 83 en vitesse, 67, 71 en tir, 74 en dribble. Il a des stats beaucoup moins bonnes que sur Ultimate Team 12. Mais sincèrement, ça veut rien dire du tout quoi. Vous allez voir les frappes, les actions, les vitesses qu'il met, c'est juste impressionnant. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite présentation de l'équipe vous aura plu. Donc vous allez voir, hein, voilà, qu'un collectif 200 c'est normal, mais la note de l'équipe monte à 80 je crois. Donc c'est 4 étoiles et demie, presque 5. Mais comme je vous dis, hein, vous pouvez très bien mettre un gardien italien ou même un défenseur central comme Mexès à la place de Yepes, ça y a pas de souci. Donc voilà les gars, je vous ai un petit peu présenté cette Dream Team colombienne qui est juste immense. Vous le verrez dans les phases de gameplay. Et je vous ai préparé aussi un petit à la fin des phases de gameplay, un petit résumé comment dire, une fin de match énorme. Donc je vous laisse voir. C'était mon dernier match. Il me restait un match pour rester en division 1. Vous allez voir que c'est vraiment un match immense quoi. C'est le plus beau match que j'ai fait sur FIFA 13, un scénario impensable. Donc je vous laisse regarder ça dans la suite de la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite pour les phases de gameplay. Pour cette première action, on se retrouve côté droit avec l'étincelant Cuadrado qui va adresser un ballon à Guarín, à Freddy Guarín. Regardez la passe de Guarín pour Rodriguez. Guarín était parti, Guarín n'a plus qu'à centrer et déposer ce ballon sur la tête de Jackson Martinez. Une superbe finition évidemment, suivi d'un petit moonwalk évidemment. Donc voilà, ici c'est surtout la qualité de passe hein, de Rodriguez, le joueur boosté avec ses 86 en passe qui ont fait la différence pour adresser ce ballon dans la profondeur. Vraiment une superbe action. Ici j'ai vraiment envie de vous montrer la rapidité des attaques colombiennes. Vous voyez que là Muriel a adressé un ballon à Jackson Martinez. Jackson Martinez a mis le petit arc-en-ciel devant le gardien. Il a plus qu'à mettre la reprise du bout du pied. Vraiment une très très belle finition pour Jackson Martinez. Ici on part du milieu de terrain, regardez Muriel, la petite feinte pour éliminer, il y a 2-3 joueurs qui le suivent et il est quand même toujours devant. Et là regardez, Muriel a adressé un superbe ballon pour Martinez qui était pourtant derrière le défenseur. Il a réussi avec ses 81 de vitesse à passer devant et voilà, ça fait but. Regardez bien cette action les gars, il y a Martinez, il est au milieu de terrain, regardez ce qu'il va faire, feinte, il y a 4 défenseurs,
il les passe sans difficulté, hop, devant le goal, le petit Ronaldo chope qui fait plaisir et la frappe en bout de course. Vraiment un magnifique but, tout simplement une superbe action. La vitesse de Martinez prouve qu'il est énorme et sa finition surtout. Désormais on passe avec mon attaquant favori dans cette équipe colombienne, Muriel. Voilà, regardez, il a traversé tout le terrain. Il n'a pas été inquiété par les défenseurs. Une superbe, une grosse frappe hein, pour finir l'action. C'est juste immense. Voilà, regardez le nombre de défenseurs qui lui courent après. Il a même pas été inquiété, il a couru tout droit. Une nouvelle action qui part du milieu de terrain ici avec Guarín qui donne le ballon à Muriel. Muriel va se faire le 1-2 avec Martinez, il est superbement bien trouvé. Voilà la vitesse de Muriel qui lui permet de se retrouver en bonne position devant le gardien qui est un petit peu trop sorti de ses buts. Et évidemment Muriel n'a pas fait de cadeau, une énorme frappe, petit filet. Sur cette nouvelle action, c'est une occasion de but qui part de très très loin de la défense. Et vous voyez que Muriel a fait tout le milieu de terrain en quelques secondes. Il l'a redonné à Martinez. Martinez qui la redonne devant le gardien à Muriel. Muriel la pousse au fond des filets. C'est vraiment cette action qui est belle. Après, le but n'est pas énorme. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer la rapidité des contre-attaques colombiennes. Cette action va vous prouver qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter de la stat de tir de Muriel. Regardez, entrée de surface, il y a 4-5 joueurs autour de lui, il se retourne, il frappe, frappe à terre qui échappe totalement au gardien de but. Vraiment, superbe action. Un dernier gameplay pour vous montrer un des bijoux que j'ai pu mettre avec Muriel. Regardez cette passe en profondeur pour Muriel, assez loin. Mais Muriel, regardez ce qu'il va faire, toujours entouré de beaucoup de joueurs, il se retourne, grosse frappe. Voilà, imparable. Franchement, Muriel, c'est le joueur à acheter. Si vous voulez une Serie A ou une team colombienne, c'est le joueur. Vous pouvez pas passer à côté. Il coûte que 5 ou 6 000. Donc franchement, je vous le conseille. Go acheter Muriel. Passons maintenant au milieu de terrain. Plus précisément ici, Zuniga. Et vous allez voir que voilà, il y a des grosses frappes aussi chez les milieux de terrain colombiens. Regardez ce missile, hein, clairement. Un missile, une frappe d'extraterrestre. Là, signé Zuniga. Vraiment très très joli. Vous pouvez marquer aussi avec Guarín, il a une bonne frappe aussi. Mais aujourd'hui j'ai pas de gameplay avec deux buts de Guarín. Mais voilà, vous voyez que Zuniga hein, c'est très très fort. Je vous ai parlé du milieu gauche, passons maintenant à Cuadrado, le milieu droit. Ici, pourquoi je tire ce corner à deux? Tout simplement parce que le gros défaut de cette équipe, ce sont les corners. Vous marquerez très très peu sur corner avec cette team. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de gros joueurs de tête, si ce n'est Perea qui peut vous en mettre quelques-unes. Ici, regardez ce but de Cuadrado hein, sur le corner. C'est vrai que j'en ai mis pas mal comme je joue qu'à deux les corners. Et vous voyez que ça passe très bien. Je vous ai quand même mis un petit corner hein, évidemment. Même si c'est le gros défaut de cette équipe, vous pouvez en mettre avec un petit peu de chance. Ici c'est Perea qui a mis sa tête au-dessus de tout le monde. Vous pouvez aussi hein, si vous achetez un Mexès, mettre des buts de la tête avec cette équipe, il n'y a pas de souci. Mais si vous jouez vraiment que avec l'équipe colombienne, vous en mettrez très peu je pense. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, de cette présentation des performances des Colombiens et franchement j'ai pris un gros plaisir à jouer avec cette équipe de Colombie. Donc je vous remercie de m'avoir proposé cette équipe. Ça fait super plaisir de découvrir des joueurs qu'on connaît pas à la base et puis qu'on découvre et qu'on adore, tout simplement comme Muriel hein, que je connaissais pas. Franchement les gars, faut l'acheter, il faut absolument l'acheter, il faut le tester. J'espère que quelques joueurs comme Martinez, Muriel, peut-être Cuadrado pardon et Zuniga vous aimerez jouer avec si vous les achetez en regardant cette vidéo. Ou même encore les défenses hein, Perea, Armero, c'est vraiment du très très solide. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit pouce vert qui fait plaisir pour que je continue la série. Et surtout le commentaire pour le prochain épisode, quelle équipe vous voudriez voir. Donc que ce soit une équipe Ligue 1, Ligue 2, j'en ai vu pas mal des Ligue 2 hein, la semaine dernière. Mais c'est quand même la Colombie qui a remporté le plus de pouces verts. Donc je compte sur vous pour me donner une bonne petite équipe, qu'on s'amuse bien, que je vous fasse pas mal de bonnes phases de gameplay. Et puis que je vous donne des conseils avec chaque joueur que j'aurais choisi. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode des Dream Team vous aura plu. Un petit peu plus complet cette semaine que le premier épisode. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah non j'oubliais, pardon. Je vais vous mettre le résumé d'un match de folie, comme je le disais tout au début de la présentation d'équipe que j'ai pu faire. Une fin de match avec cette équipe colombienne. Je vous laisse
regarder cette remontée face à une équipe 100% espagnole avec du Benzema. Je sais plus il avait qui, je crois qu'il avait Pepe en défense. Enfin bon, une équipe très très solide et une super remontée et des petits bugs au niveau des joueurs, des célébrations, vous verrez. J'espère que ça vous fera bien rire. Voilà, donc portez-vous bien et à la prochaine, bye bye.